Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Famille. Partagez ce direct là, ce live là, au maximum. Il se passe des choses en Côte d'Ivoire. Et notre rôle, c'est de dénoncer. Nous allons essayer de dénoncer un peu pour voir ce qui se passe. Voici Alain Koffi. Sois salué depuis ta position. Famille, continuez à partager le direct, continuez à partager. Nous allons dénoncer des choses, des faits. Parce que, comme vous le savez, hein, soyez tous salués, famille. Fils David, sois salué. Hiram Koné, sois salué. Hassan Sef, sois salué. Vladimir, sois salué. Ok, famille, nous allons aller un peu vite. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Alassane Ouattara, Ahmed Portable, sois salué. Alassane Ouattara a décidé de vendre un immeuble du président Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire un bien de l'État. Bon, un bien de Félix Houphouët-Boigny qui est devenu un bien de l'État par une combine que je vais vous expliquer tout à l'heure. Comment ce bien-là est devenu un bien de l'État? Et ce bien de l'État, comment ce bien de l'État va être liquidé aujourd'hui par Alassane Ouattara? Mais avant de rentrer en profondeur, de vous expliquer ce qui se passe exactement, je vais vous faire écouter l'élément que vous avez sûrement écouté. Et ensuite, on va décortiquer. Et après, je vais vous apporter des preuves que Alassane Ouattara n'a pas le droit de vendre ce bien de Félix Houphouët-Boigny. Ouattara n'a pas le droit de vendre. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je dis que Ouattara n'a pas le droit de vendre. Donc, d'abord, nous allons écouter cet élément-là. Et ensuite, je vais vous expliquer. Mais je vais vous demander de partager, famille, partager. Je veux que tout le monde partage la vidéo. Partagez la vidéo au maximum, chers frères. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Maintenant, on dit Facebook, ne veut plus qu'on dit partager. Mais bon. Donc, balancez la vidéo, balancez, balancez. Ok. Famille, likez, hein. Likez, likez, likez quand même. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vais vous faire écouter l'élément ici, c'est mieux. Maintenant, je vais passer ici, là, là, comme ça, je vais saluer ici les éléments des panafricains. Partagez, famille. Bouba Koné, sois salué. Ahmed Ouadraogo, sois salué. Jean-Michel Dido, sois salué. Osei Bidiko, sois salué. Les pirates blindés, sois salué. Gaël Sawadogo, sois salué. Bon, famille, on va aller en profondeur rapidement. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui, on va avoir un débat dessus. Mais je vais faire un petit direct dessus d'abord et après on aura le débat sur cette affaire. Ok, chers frères, je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire veut vendre un bien de Félix Houphouët-Boigny? Où le son?
L'État ne s'en est jamais servi. L'État ne s'en est jamais servi. Le président Alassane Ouattara n'a pas souhaité y résider parce que voilà, il a déjà ses appartements à Paris. Voilà, donc ce bien est là. Ok, famille, je vais mettre l'autre vidéo parce que là, la question n'est pas posée. Je vais mettre une vidéo où on pose la question au ministre et là, vous allez attendre la question et vous allez écouter sa réponse et nous allons essayer de décortiquer sa réponse. Hein, chers frères, voilà, nous allons essayer de décortiquer. Excusez-moi, hein, les autres, là, Aziz Kouara. Famille, excusez-moi, hein. Aziz Kouara, soyez salués et soyez tous salués. Voilà. Continuez à partager, hein, partager, partager. Je veux de l'engouement, chers frères. Il faut partager au maximum, là, comme ça, au moins. La vidéo va aller loin. Bon, balancez, 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 balancez. Continuez à balancer dans tous les groupes. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que Alassane Ouattara, non seulement le fait qu'il soit un voleur, et aussi un manipulateur. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est voilà ce qui se passe ici là. Voilà, vous-même vous allez voir et puis vous allez me dire si c'est moi qui le dis ou pas, mais c'est pas moi qui le dis. Voici la vidéo est ici. Ici. Non, on va aller chercher ça sur. Et ici, je vais mettre la vidéo. Hein. Vous allez écouter avec moi. Vous allez écouter le ministre. On va déconstruire ce ministre-là tout de suite. Tout de suite. Ok. Tous les biens de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Je vous dis, vous m'entendez, Draman, l'hôtel Massa, vend ça. Yatra est en train de vendre ça. Après ça, il veut qu'on fasse barrage. Les bijoux de famille. Ça fait écho la semaine. Il faut qu'on fasse barrage. Bon, on écoute. Hein. Il faut qu'on fasse barrage. Partagez, continuez à partager. Gosse, espère, débat. Sois salué. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer le premier point là, tout ça. Monsieur le ministre, tout à l'heure, Steve. Bonsoir. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors. D'abord, qui est Agence France Presse? C'est un journal qui travaille pour Alassane Ouattara, ce n'est pas un débat. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ma page Facebook n'a pas d'audience là, c'est eux qui essaient toujours de fermer mes pages Facebook. Toutes mes pages Facebook là, ce sont eux qui essaient de fermer. Agence France Presse. C'est une grosse entreprise française de journal, investigation, d'après eux. Ce sont ceux-là qui travaillent avec le gouvernement d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent dire que Ouattara veut vendre l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, je vais vous expliquer, chers frères, pourquoi cette sortie-là dérange. Certaines personnes vont dire que non, vendre peut-être les biens de Félix Houphouët-Boigny, ouais, parce que ça ne sert à rien. Mais nous allons, je sais où je vais venir. Attendez, on va finir d'abord. Finissons. Ce départ sort des bijoux de famille, et pourquoi? Attends, hein. Il n'a pas seulement dit les biens immobiliers, il a dit les bijoux de famille. Bon, je vais reprendre, pour ne pas que je dise des conneries, je vais reprendre. Il a dit des bijoux de famille de Félix Houphouët-Boigny. Pas qu'il puisse nous tuer tous les Ivoiriens. Camarades, avec vous cette vidéo. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer le premier point de tout ça. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors, ce départ sort des bijoux de famille, et pourquoi? Voilà. Donc, Alassane Ouattara veut vendre l'immeuble Masseran. Est-ce que les bijoux de famille?
de Félix Houphouët-Boigny. Et vous allez écouter l'intervention du ministre. Et je vais vous expliquer que ce ministre est un gros menteur. J'arrive. Permettez que j'entre pas dans les détails. Tout simplement parce que... Voilà. L'État de Côte d'Ivoire veut vendre l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny. Un immeuble qui, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, en 2000, lorsque Ouattara prend le pouvoir en 2011, l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny qui est à Paris est devenu un bien de l'État. Avant, c'était l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny, c'était un bien familial de Félix Houphouët-Boigny. Mais lorsqu'il décède, la personne qui gérait ce bien était Fanta Gbe, la femme d'Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire, c'est une longue histoire. Parce que c'est un truc même, c'est un truc qui est parti jusqu'à la justice. Avec l'enfant de Félix Houphouët-Boigny, qui réclamait les biens de son papa. Mais les biens de son papa, tout d'un coup, est devenu les biens de l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, si Alassane Ouattara arrivait à décéder, c'est-à-dire, tout ce que lui a acheté, ses biens qui sont aux États-Unis, les maisons qui sont en France, tout d'un coup, au lieu que ça revienne à ses enfants, tous ces biens-là reviennent à l'État de Côte d'Ivoire. Ça devient bizarre, chers frères. Donc, vous voyez un peu. Écoutez, nous allons continuer. Et ici, le monsieur dit non que pour vendre ces biens-là, il n'est pas obligé d'expliquer ça aux Ivoiriens. Or, on dit que ce sont les biens de l'État de Côte d'Ivoire. Et lui dit, non, on n'a pas besoin d'expliquer ça aux Ivoiriens. C'est un... Continuez à balancer la vidéo. Qui est géré au plus haut sommet de l'État. Voilà, ce que je peux en dire aujourd'hui. Cette information. Voilà, il n'arrive pas à expliquer. Il dit non, que c'est un bien, c'est une histoire qui est gérée au plus haut des sommets de l'État. Mais au plus haut des sommets de l'État, là, il y a Alassane Ouattara et son frère. C'est les deux qui gèrent le pays. Alassane Ouattara, son frère, c'est-à-dire le président, le ministre de la Défense. C'est-à-dire l'autre est président qui contrôle et le ministre de la Défense qui gère. Vous voyez un peu, donc au plus haut de l'État, donc il y a deux frères au plus haut de l'État qui gèrent cette histoire-là. Donc lui, il ne peut pas trop parler, chers frères. Maintenant, nous allons rentrer en détail. Pourquoi Ouattara n'a pas le droit de vendre ces biens-là? Parce que Ouattara, hier, il a créé un scandale. Lors des élections de 2010, avant les élections, Ouattara a créé un scandale. Non, je crois que c'est après les élections. Ouattara a créé un scandale en complicité avec la France. Ils ont créé un scandale sous Gbagbo Laurent. Lorsque Gbagbo était au pouvoir, lors des élections de 2010, le 22 décembre, parce que c'était le 1er octobre. Voilà, pendant les élections, ils ont créé un scandale. Et je vais vous expliquer. Vous voyez, chers frères, vous voyez, ici, je vais prendre... je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui de je vais prendre celui du journal d'Alassane Ouattara qu'on appelle Abidjan.net. Je vais prendre celui-là et je vais vous expliquer quelque chose, chers frères. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ok. Chers frères, pendant les élections de 2010, je crois octobre, novembre, décembre, donc avant les élections plutôt, le mercredi 29 septembre 2010, le journal Abidjan.net, qui est un journal RDR, a titré ceci. Patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire à Genève, Suisse. Gbagbo brade les locaux de l'ambassade à 7 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez compris? On va aller en profondeur. Ici, ils nous ont dit que
Pendant les élections de 2010, ils ont créé un scandale pour dire que Gbagbo a volé l'État de Côte d'Ivoire. Gbagbo a volé l'État de Côte d'Ivoire en vendant les biens de Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, je vais revenir sur le gars qu'on appelle AFP là. AFP. C'est-à-dire ceux-là même qui travaillent aujourd'hui pour Ouattara là. Il dit ceci. En Suisse, la vente d'une villa par Laurent Gbagbo intrigue. En Suisse, ça c'était pendant les élections de 2010. Voici ce que Alassane Ouattara disait aux Ivoiriens. En Suisse, la vente d'une villa par Laurent Gbagbo intrigue. En mai, ça a été publié. Je vous donne la date pour ne pas dire non que ça a été publié le 22 décembre 2010. Donc, ça, après le premier tour, le 22 décembre 2010, Alassane Ouattara, lorsque le président Bédié et Ouattara ont été battus au premier tour par Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'ils font pour... Parce qu'il y a des... On sait tous, hein, il y a les Baoulés qui ne voulaient pas voter Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un scandale en 2010 en disant ceci. Ils ont fait croire, si tout dans la zone centre, c'est là-bas cette nouvelle-là se promenait. Où on disait que, oui, Gbagbo a vendu les villas de Félix Houphouët-Boigny qui sont en Suisse. Donc, ici en mai, le président sortant ivoirien a cédé une propriété de son pays située à Genève pour 12 millions d'euros. Cette somme aurait été versée sur un compte bancaire français. Est-ce que vous attendez? Ils disent ici que en mai, Gbagbo a vendu une villa de Félix Houphouët-Boigny qui serait en Suisse. Et il a pris cet argent-là pour verser ça sur un compte en banque français. C'est-à-dire, le compte était en France et Gbagbo a vendu la villa et il a pris l'argent là, il a mis ça sur son compte. Et vous savez tous que lorsque Gbagbo était arrêté, lorsqu'on a fouillé pour voir où il a envoyé tout cet argent, on n'a pas trouvé. Normalement, si ce compte-là existait, lorsqu'il, d'après eux, qu'il aurait vendu la villa, et il a pris cet argent-là pour mettre ça sur le compte, lui-même son propre compte en France, on allait trouver, lorsqu'il a été arrêté, on allait trouver cet argent-là et il allait être condamné. Vous voyez, donc c'était pendant les élections que le RDR avait fait cette propagande. Maintenant, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a plus de crise. La Côte d'Ivoire n'est plus en crise. La Côte d'Ivoire va très bien. Les gens disent que le pays émerge. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Un pays émergent, un pays qui n'a pas de problème. Voici ce que Africa nous dit. L'État a-t-il mis en vente l'hôtel Masseran de Paris acquis par Houphouët? C'est-à-dire un hôtel Masseran, c'est un immeuble qui a été acquis par Félix Houphouët-Boigny. On demande ici si l'État de Côte d'Ivoire veut vendre ça. Et tout à l'heure, quand on écoutait le ministre, il a dit non, c'est une histoire au plus haut sommet. Et au plus haut sommet, il y a le président et le ministre de la Défense. Le président Alassane Ouattara, le ministre de la Défense, qui est le fils ou le frère d'Alassane Ouattara. Revenons maintenant à nos moutons. Africa Presse Côte d'Ivoire. Selon des informations des sources concordantes relayées cette semaine, l'hôtel Masseran, acquis par l'ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1978 en France, a été discrètement mis en vente par les autorités ivoiriennes. C'est-à-dire, selon les informations, l'État de Côte d'Ivoire a mis cet immeuble-là en vente discrètement. Donc, normalement, si l'immeuble devrait être vendu, normalement, cette question devait passer au ministre, au conseil des ministres, à l'Assemblée nationale. Si on va vendre un bien de l'État de Côte d'Ivoire, ça doit passer au conseil des ministres, ça doit passer à l'Assemblée nationale, s'ils vont dire oui ou non, mais discrètement, sans passer par le conseil des ministres, sans passer par l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara décide d'aller vendre l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny discrètement. Comme je l'avais dit tout à l'heure au début, que l'hôtel
appartenait à Félix Houphouët-Boigny, et cet hôtel-là devait revenir à sa fille, à ses enfants, à Bédier, à ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le vieux meurt, tout d'un coup, l'hôtel devient pour l'État de Côte d'Ivoire. Ah. Donc, notons que l'édifice de 3000 mètres carrés est situé au cœur du 7e arrondissement de Paris. Le prix de la prestigieuse demeure du président ivoirien serait estimé à 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA. Pourquoi Alassane Ouattara veut vendre l'hôtel? Je vous explique. Comme vous le savez tous, chers frères, nous apprenons que plusieurs milliardaires français, donc ça, ce n'est plus quelque chose de caché, puisqu'il y a des noms qui sortent, des témoins qui sont là, et puisque le ministre Alassane Ouattara lui-même a dit que lui, ce n'est plus de son sort, que cette histoire est au plus haut sommet de l'État. Et lorsqu'on prend le plus haut sommet de l'État, j'ai déjà cité une chose, Alassane Ouattara, son frère. Et lorsqu'on regarde même là, je crois que c'est sa fille qui gère le portefeuille, son beau, ou bien c'est sa nièce, ou bien son beau qui gère le portefeuille du gouvernement. Donc ça, c'est au plus haut de l'État, au plus haut niveau. Donc c'est chaud. Famille, on va aller en profondeur. Nous apprenons que plusieurs milliardaires français, dont Bernard Arnault et son gendre Xavier Niel, l'auraient est déjà visité. Donc, il y a des gens qui sont allés visiter déjà l'hôtel pour pouvoir l'acheter. Donc, l'hôtel coûterait 150 millions d'euros, plus de 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est qu'on va se dire ici, chers frères, c'est qu'on va se dire ici, là. Pourquoi Ouattara veut vendre? Pardon, j'ai dit 1 milliard, je me suis trompé, c'est 100 milliards de francs CFA. Donc, pourquoi Alassane Ouattara veut vendre l'hôtel de Côte d'Ivoire? L'hôtel qui appartient à Côte d'Ivoire, puisque eux-mêmes, c'est Alassane Ouattara et sa femme qui ont mis ça comme bien de l'État. Donc, pourquoi ils veulent vendre? Le pays va mal. Chers frères, ce qu'on refuse de vous dire là, c'est ce qu'est la vérité. Le pays va mal. Je n'ai pas vu toute la vidéo de ce ministre-là. Sinon, vous allez attendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de biens de l'État de Côte d'Ivoire qui est vendu. En Côte d'Ivoire même là, c'est pire. Ils sont en train de tout vendre. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on parle ici, les militants du RHDP sont toujours pour dire là, prendre crédit, même les États-Unis prennent crédit, même la France a pris crédit, même la Chine prend crédit. Vous voyez? Les États-Unis, là, ils peuvent prendre crédit, fabriquer un avion comme l'avion qu'on appelle F-16, qui coûte peut-être une centaine de millions de dollars. S'ils ont pris crédit, ce serait facile pour eux de rembourser. Parce que lorsqu'ils vendent ces avions-là, ces armes-là, c'est facile pour eux de rembourser. Donc, ils n'ont pas de pression. Nous, là, on fabrique quoi? On prend crédit, on fabrique quoi? Voici maintenant qu'on veut vendre l'hôtel qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens ne le sachent. Et lorsqu'on prend, on les prend la main dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Le ministre, peut-être il a été surpris par la question. Lorsqu'on lui demande, mais pourquoi vous voulez vendre les biens de Félix Houphouët-Boigny? Il a du mal à expliquer. C'est chaud, il a du mal à expliquer. Il ne sait même pas quoi dire. Non, ce n'est pas de mon ressort. Si vous voulez demander, ça, ce sont des choses, on ne peut pas trop rentrer dans les détails. C'est au plus haut sommet de l'État. Voici ce qui nous sort comme argument. Chers frères, le pays va mal. Le pays est endetté. La Côte d'Ivoire est endettée. Les ponts, les routes, les quoi. Autant de Gbagbo là, on pouvait dire, si Gbagbo décidait de vendre cet hôtel là, on pouvait dire, oui, Gbagbo, tu as raison. Parce que le pays va mal. Le pays va mal. Donc là, on a besoin d'argent pour payer les fonctionnaires, on a besoin d'argent pour faire des choses.
Mais aujourd'hui, on dit tout va bien. Tout va bien à merveille. Le pays progresse. Il y a l'émergence. Mais pourquoi aujourd'hui on vend un hôtel de Félix Houphouët-Boigny? Sachant très bien que nous avons des étudiants ivoiriens en France qui souffrent, qui ne savent même pas où dormir. Il y a des étudiants ivoiriens aujourd'hui, là, ils ne savent pas où ils dorment. Ils sont en France, ils sont à Paris, France, dans toute France, là, ils ne savent pas où dormir. L'hôtel, là, l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny, là, on pouvait réhabiliter ça et faire de sorte que les étudiants, loger même les étudiants dedans. Parce que ici, le ministre nous dit que est-ce que le président, lorsqu'il va à Paris, en France, est-ce qu'il loge dedans et qu'il a, il a ses maisons en France? Bon, Alassane Ouattara a des maisons en France. Pourquoi il ne vend pas cette maison-là et puis c'est l'hôtel de Félix Houphouët-Boigny qui veut vendre? Est-ce que ça appartient à la Chambre Matra? Vous-même, vous dites non. Le président, quand il va, il ne dort pas à l'hôtel-là de Félix Houphouët-Boigny, qu'il va dormir chez lui. Mais s'il veut vendre une maison, s'il veut vendre une maison, il vend sa maison. Pourquoi c'est pour vous là qu'il veut vendre? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants qui sont en France, qui n'ont ni où dormir, ni ceux même qui dorment même peut-être même dehors. Aujourd'hui, ceux qui dorment dans les métros, ceux qui dorment dehors, ceux qui dorment dans les colocations, qui dorment dans... On ne sait où là, on pouvait prendre ces étudiants-là et aller les loger là-bas. Parce que d'après eux, que personne ne vit dedans. Et il faut toujours entretenir. Mais si vous trouvez que personne ne dort dedans, prenez les étudiants, vous allez les loger dedans. Les étudiants ivoiriens qui sont en France, qui ne savent pas où dormir là, prenez-les, allez-y les loger dedans. On a plein de nos compatriotes qui sont là-bas, même les diplomates là. Prenez-les, allez-y les loger dedans. Si vous trouvez que oui, cette maison-là, personne ne dort dedans. Que Ouattara, il y a des maisons en France. Allez-y loger nos compatriotes dedans. Donc, chers frères, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont trompé les Ivoiriens. Ils ont trompé les Ivoiriens. En 2010, eux-mêmes, ils sont sortis pour dire que Gbagbo avait vendu une villa de Félix Houphouët-Boigny en Suisse. Et qu'il avait pris l'argent là pour mettre sur son compte en France. C'est qu'il a dit. On n'a jamais retrouvé ce compte-là. Lorsqu'il a été attrapé, on n'a jamais retrouvé ce compte où il allait déposer ses 12 millions d'euros-là. On n'a jamais retrouvé. Par contre, là, voici Alassane Ouattara, il vient d'être pris de la main. Il avait dit que Gbagbo ne devrait pas vendre. La villa de Félix Houphouët-Boigny qui était... En Suisse, il a dit que Gbagbo ne devait pas vendre ça. Et c'est en pleine campagne électorale, en plein deuxième tour, qu'ils sortent, ils allument. Oui, Gbagbo vend les biens de la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, si aujourd'hui, vraiment qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, là, s'il y avait des réseaux sociaux comme ça, dans le temps, ça allait casser même Gbagbo Laurent. Puisqu'ils avaient menti qu'il avait pris l'argent pour mettre sur son compte. Et ils n'ont jamais retrouvé cet argent-là. Donc, imaginez un peu, chers frères. Regardez aujourd'hui là. Voici Ouattara qui vient vendre. Maintenant, lui, on doit dire quoi? Le pays va bien, mais tu vends nos biens. Sans dire à quelqu'un. C'est-à-dire, ils vont prendre 100 milliards. Peut-être qu'il va donner 100 milliards à son frère. Lui aussi, il va prendre 100 milliards. Parce qu'on dit non, que c'est plus haut sommet de l'État. Et puis, on dit discrètement. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez, je peux encore lire. Je peux encore lire. Donc, ici, c'est marqué. Selon des informations de sources concordantes, relayé cette semaine, bon, je reprends s'il vous plaît. Selon des informations de sources concordantes, relayé cette semaine, l'hôtel de Masséran, acquis par Félix Houphouët-Boigny, les chefs d'État ivoiriens en 1978 en France, a été discrètement mis en vente par les autorités ivoiriennes. Donc, comme vous le voyez, chers frères, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui vont venir m'insulter pour dire non, tu es hypocrite, c'est comme ça. J'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Oui. Parce que lorsqu'on parle de discrétion, on parle de vol. Si Ouattara veut vendre l'hôtel de Félix Houphouët-Boigny discrètement, c'est qu'il veut voler l'argent. Parce que s'il fait ça d'une manière claire, une claquée, où tout le monde voit, on peut dire, ah, nous savons tous que Ouattara a mis le pays dans la merde. Qu'aujourd'hui, on a plus de 36 000 milliards de dettes sur la tête.
Et on sait qu'il y a aussi des pressions sur lui pour les remboursements. Donc, si aujourd'hui, il veut aller chercher 100 milliards de francs CFA pour essayer de couvrir un peu les dettes, bon, on peut dire, c'est notre président Ado, c'est notre président. Mais non. On dit discrètement. C'est qu'il y a vol derrière. chers frères. Ceux qui disent que oui, Alassane Ouattara a travaillé. Il y a certaines personnes qui disent qu'il avait fini de payer les crédits des autoroutes qu'il avait, des routes qu'ils avaient fait et tout. Et il y a son ministre même qui est sorti à la télé pour dire non, on a déjà fini de rembourser les crédits. Nous avons remboursé les crédits. Mais tout d'un coup, on a entendu qu'il y avait un crédit de 36 000 milliards sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, si aujourd'hui, ils ont fini, ils disent, eux-mêmes disent que non, ils ont fini de payer. Bon, si vous avez fini de payer, pourquoi maintenant vous voulez vendre l'hôtel de Côte d'Ivoire qui est en France? Parce que puisque toi, tu as des maisons en France, les autres là, les autres présidents qui vont venir demain là, et ils n'ont pas de maison en France. Donc lorsque ils vont se déplacer pour des problèmes diplomatiques en France, ils vont aller loger dedans. Pourquoi toi tu veux vendre? Félix Houphouët-Boigny qui a construit sa chose, qui a pêché, qui a acheté avec son argent là, il n'a pas vendu. Bédier est venu, Bédier n'a pas vendu. Guy Robert est venu, Guy Robert n'a pas vendu. Gbagbo Laurent est venu, Gbagbo Laurent n'a pas vendu. Aujourd'hui c'est le démocrate, le gars du FMI. Vous voyez aujourd'hui l'hypocrisie. Vous voyez que Alassane Ouattara c'est un hypocrite. Pourquoi je le dis? Parce que ce gars-là nous a vendu beaucoup de rêves. Lui, c'est un spécialiste en économie. Donc, puisqu'il est spécialiste en économie, il ne devait même pas chercher à vendre les biens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il a vendu tout en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien à vendre en Côte d'Ivoire. Il faut maintenant aller à l'extérieur, vendre les biens de l'État de Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur. Puisqu'en Côte d'Ivoire, ils ont déjà tout vendu. Mais l'économiste, si tu veux chercher l'argent là, le sous-sol ivoirien est riche. Le sol ivoirien est riche. En tant qu'économiste, cherche des plans d'attaque pour pouvoir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo qui est un historien, c'est-à-dire quelqu'un qui est là qui dit non que au Congo, il y avait la guerre en 1900, au Burkina Faso, il y a eu la guerre. Lui, il a pu payer toutes les dettes de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas économiste, il ne sait pas compter l'argent. Il a pu payer les dettes de la Côte d'Ivoire. Un historien. Non seulement le président Gbagbo a relevé nos PIB en plus de 6, on était à moins 1 de nos croissances économiques, -1,40. Lorsque Gbagbo arrive, sois salué, mon patron bas, Okossie Vanikolo, depuis ta position. Lorsque Gbagbo arrive, le PIB de la Côte d'Ivoire était à -1,40. Il a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire à combien? À hauteur de plus 6,80% de croissance. Donc, c'est-à-dire, malgré que le pays était divisé, Gbagbo n'est pas allé prendre l'argent ailleurs, à gauche, à droite. Il a relevé l'économie ivoirienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ouattara arrive, Gbagbo a fait combien? D'après vous, il a fait 10 ans. Gbagbo, dans son 10 ans là, il a pu, il nous a mené de moins 1, il nous a mené à plus 7% de l'économie. Ouattara est venu là. On lui dit que ouais, l'économie aujourd'hui, notre PIB est à 7, c'est la croissance est à 7,2%. Donc il n'a rien fait. Puisque Gbagbo lui-même il avait déjà mis ça à 7%. Le pays était divisé. Gbagbo est arrivé à faire à 7%. Ouattara est arrivé là. C'est toujours à 7%. Il chante, ce qu'il chante toujours dans sa bouche là, c'est Gbagbo qui a fait ça. Ceux qui disent Ouattara a travaillé là, ça prouve que Ouattara n'a pas travaillé et qu'il vaut rien et que lui-même là, il n'est pas économiste. Le vrai historien économique, est-ce qu'il va dire économique? Économiste, ouais. Est-ce que Gbagbo est économiste? Non, c'est un historien, mais il a travaillé, il a montré à Ouattara qu'un historien peut être économiste. Puisque lui-même là, notre croissance là de développement, il a progressé 6,8, donc ça fait 7%. Ouattara arrive, nous sommes toujours à 7%, 7,2. On est toujours à 7%. Ils sont toujours, oui, j'ai relevé l'économie à 7%. Eh, cher frère, Gbagbo était déjà à 7% lorsqu'il partait. Donc toi là, tu n'as rien fait.
C'est ce qu'est la vérité. C'est ce que les gens ne veulent pas dire aux Ivoiriens. La vérité est que Ouattara, en économie, il est super nul. La vérité est qu'il est super nul en économie. Puisqu'il n'a pas fait plus que Gbagbo. Le pays est... Sois salué, Amadou, depuis ta position. Le pays, Mako, sois salué. Le pays n'est pas divisé. Donc, puisque le pays est unifié, Ouattara devait arriver, il devrait au moins arriver à relever l'économie ivoirienne d'au moins 10 à 15% de son économie. Mais non, il n'a pas pu. Et tous les chiffres qu'on vous donne, tous les chiffres qu'on vous donne, chers frères, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Gbagbo, là, à son temps, là, l'argent venait de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, pour Ouattara, là, ça vient de l'extérieur. Donc, ils allaient vendre l'immeuble de Côte d'Ivoire dans genre en cachette, puisqu'ils ont dit discrètement, en cachette, ils allaient vendre ça à 100 milliards, peut-être c'est plus que 100 milliards, hein. Donc ils allaient vendre ça à 100 milliards, ils allaient prendre l'argent là, et ils allaient dire aux Ivoiriens, il y a l'argent qui arrive, il y a l'argent qui arrive. Vous voyez? Quelqu'un qui dit qu'il donne 1 milliard par jour à la jeunesse en Côte d'Ivoire, attends, tu donnes 1 milliard par jour à la jeunesse en Côte d'Ivoire et tu es incapable de trouver des ressources, de trouver de l'argent sur ton propre sous-sol, dans ton propre sous-sol, et tu vas vendre l'immeuble de Félix Houphouët-Boigny. Bon, ça là, c'est là où on l'a attrapé. Donc imaginez tous les biens de l'État de Côte d'Ivoire qui sont partout dans ce monde-là. Peut-être qu'il a déjà tout vendu. Puisque pour la France, là, ça n'est même pas resté caché. Forcé, on allait attraper Ouattara. Ça n'est jamais resté caché. Parce que 7e arrondissement, là, Paris, tout le monde connaît l'immeuble là. Si Massara est vendu, tout le monde va savoir. Voici pourquoi il a essayé de faire ça discrètement et il a été attrapé. Donc imaginez les autres biens qui sont dans les autres pays là. C'est que Ouattara a fini de tout vendre. Il a fini de tout vendre. Donc tu n'as pas l'argent et toi tu dis que tu donnes 1 milliard de francs CFA aux jeunes. Ça c'est encore un autre mensonge. Il prend l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, il fait des choses avec ça et il dit non, il donne de l'argent, 1 milliard de francs CFA aux jeunes, à la jeunesse, chaque mois. Donc on voit que c'est faux. Lui va donner 300 milliards. Il va donner 300 milliards à la jeunesse chaque année. 300 milliards. Mais lui n'a pas 100 milliards pour régler le problème qu'il veut régler. Et il veut aller vendre l'immeuble de Côte d'Ivoire à 100 milliards pour aller régler ses problèmes de dette. Donc, toi, tu arrives à donner 300 milliards à la jeunesse, mais tu n'as pas 100 milliards pour aller régler tes dettes. C'est l'immeuble de Côte d'Ivoire que tu vas vendre. Tu n'as pas honte. Ça prouve que Ouattara a échoué sur tous les plans dans sa gouvernance. Il a échoué, il a doublement échoué. Il y a un gars qui vient, Vicky BMD. Toi, ton fonds de commerce, c'est ado. Si tu veux dire que mon fonds de commerce est ado, ça, c'est ton point de vue. Je ne vais pas discuter avec toi, c'est ton point de vue. Voilà. Donc, je t'accorde. Oui, mon fonds de commerce, c'est ado. Mais je sais aussi que je dérange ton ado. Je dérange sa gouvernance. Parce que chaque jour, je dénonce. Voici pourquoi il me colle aux fesses. Il ne me laisse pas dormir. Il est toujours toujours dans mes pattes. Il me cherche. Il me traque avec ses agences de presse de merde qu'on appelle AFP là. Ils sont toujours sur mes pages. En train d'essayer de verrouiller mes pages. Oui, je dérange. Je dérange l'État de Côte d'Ivoire. Parce que je dénonce. Je dénonce ce que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Ce que je dénonce chaque jour, là. Même il y a les opposants en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas dénoncer. Ce que je dénonce chaque jour, là. À part le PPACI, là, qui dénonce les mêmes choses, là, et qui dénonce peut-être plus que moi, là. Il y a, comprends les autres qui sont à côté, là. Moi, mais c'est encore plus deux fois, trois fois plus dangereux que Blé Boudé. Oui, oui, oui. Je suis quatre fois, cinq fois plus dangereux face à l'État de Côte d'Ivoire que Blé Boudé. Voici pourquoi ils sont dans mon sang qui me traque. Chers frères, donc souffre. Souffre de me suivre. Souffre que je te pilonne dans le cœur. Ouais, je suis milicien de Gbagbo.
Je l'accepte. Milicien de Gbagbo, je l'accorde. Être milicien de Gbagbo, c'est une fierté pour moi. Et je l'accorde. Je suis milicien de Gbagbo. Donc, tu peux prendre ça comme tu veux. Donc, chers frères, pour ne pas rester dans la distraction, nous allons continuer à pilonner un gouvernement menteur, fantôme, fantoche. Ceux-là même qui ont passé leur temps à mentir le peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui disait hier, un Ivoirien, un toit, aujourd'hui là, les Ivoiriens dorment dehors. Et même une maison inhabitée en France, où en France il y a des étudiants ivoiriens qui dorment dehors, encore on veut vendre cette maison-là, au lieu d'aller mettre les étudiants dedans. Au lieu d'aller mettre des diplomates dedans, au lieu d'aller mettre les hommes d'État qui voyagent, qui vont en France souvent, au lieu de les loger dedans, Ouattara veut vendre ça. Et il veut vendre ça avec qui? Avec son frère, en cachette. Ici, là, c'est pas moi qui le dis. Oh. Africa Press Côte d'Ivoire. Africa Press Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là même qui ont mené l'enquête. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas cachés. C'est eux qui ont cassé les papos. Ils ont cassé les papos sur Ouattara. C'est versé sur Ouattara, là. Il est dans tous ses états. Et il a été piégé, puisque son ministre, je ne sais pas si c'est un ministre de quoi même, et pas c'est sans cabinet ou bien quoi là, il est parti se retrouver devant les journalistes. Attendez, je vais vous montrer ce gars là, parce que son nom m'échappe, je ne connais pas son nom. Voilà. Pour ne pas que je raconte, pour ne pas qu'on dise, j'ai dit du n'importe quoi. Voilà, celui-là, comment il s'appelle? S'il vous plaît. Ce monsieur-là, écrivez son nom, s'il vous plaît. Si vous le voyez, il n'est pas papa de Gbagbo Kone, hein? Il n'est pas du ministre qui est en bas là. S'il vous plaît, donnez-moi le nom de ce monsieur. Pour ceux qui sont là, qui connaissent le nom de ce monsieur-là, ce ministre-là. Donc, comme je le disais, il a tellement manipulé une partie. Il s'appelle comment? Bruno Kone. Voilà, Bruno Kone. Merci. Syriac. Merci. Yelson. Merci. Donc aujourd'hui, Bruno Kone a été incapable de justifier. Il a été incapable. Merci à tout le monde. Merci à Melchizedek. Merci à toi, Didier. Merci. Blaise, merci. Syriac, merci encore. Ok. Je vais mettre. Vous allez réécouter le truc. Vous n'avez pas dit que j'ai inventé. Même le ministre d'Alassane Ouattara incapable, il est incapable d'expliquer cette histoire. Il est incapable de justifier. Jamais servi. Je vais remettre. L'État ne s'en est jamais servi. Le président Alassane Ouattara n'a pas souhaité y résider parce que voilà, il a déjà ses appartements à Paris. Voilà, donc ce bien est là. Il fallait décider d'en faire quelque chose. Voilà. Et si on le maintient, ben il faut continuer à le maintenir en activité, en vie. Il faut continuer à le réhabiliter, donc à l'entretenir. Donc évidemment, cela fait de l'argent. D'accord, vous prenez l'engagement ce soir ici de nous tenir informés de la suite de la procédure. C'est une procédure qui, de toutes les façons, sera totalement transparente. Je vous dis qu'elle est. Ok. Voici un immeuble que le gars dit que. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et il nous dit que Alassane Ouattara veut le vendre. Il veut vendre l'immeuble. En même temps, il nous dit que parce que Alassane Ouattara n'a jamais habité dans l'immeuble et lorsqu'il va en France, il n'habite pas dedans. Donc, il veut vendre. Comme si ça appartenait à Alassane Ouattara. Chers frères, comme si ça appartenait à Alassane Ouattara, lui, il veut vendre. Et il nous dit que il faut l'entretenir. Mais de 2002 jusqu'en 2010, la guerre frappait l'État de Côte d'Ivoire. Gbagbo était en souffrance parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais il arrivait à entretenir l'immeuble. Gbagbo là, il arrivait à entretenir. Malgré que les gens ne voulaient pas donner crédit à Gbagbo, l'argent ne rentrait pas. En Côte d'Ivoire, mais Gbagbo lui arrivait à sortir l'argent du sous-sol ivoirien, il arrivait à entretenir l'immeuble. Pendant ces 10 ans de gouvernance,
Gbagbo, chaque mois, a toujours entretenu l'immeuble de Côte d'Ivoire qui est installé à Paris, au 7e arrondissement qu'on appelle Masseran. Gbagbo a toujours entretenu l'immeuble. Alassane Ouattara est arrivé, il est capable d'entretenir, mais il veut vendre. Il veut vendre. Comme si ça a lui. Il veut vendre. Et je me pose la question, mais pourquoi le monsieur veut vendre? Bruno Conné nous sort que oui, c'est au plus haut sommet de l'État. Et au plus haut sommet de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, parce que les Ivoiriens doivent savoir qu'au plus haut sommet de l'État, il y a deux personnalités. Alassane Ouattara est le ministre de la Défense du territoire. Il contrôle le territoire ivoirien. Plus le président. Le président Alassane Ouattara et son frère, qui sont au plus haut sommet de l'État. Les autres là, c'est les prins-prins. Et si, normalement, on doit vendre l'immeuble, mais il faudrait que cette histoire passe d'abord au conseil des ministres. C'est obligé. Si Alassane Ouattara doit vendre l'immeuble qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, ça doit passer au conseil des ministres. Mais pourquoi ça ne passe pas au conseil des ministres? Et une fois que ça passe au conseil des ministres, le gouvernement, par son porte-parole, par son porte-parole, doit faire un communiqué de presse. Parce que là, après chaque conseil des ministres, il y a un communiqué de presse que le porte-parole du gouvernement y fait. Donc, après le conseil des ministres, s'ils ont décidé de vendre l'immeuble, le porte-parole va sortir pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de vendre l'hôtel Masseran qui est à Paris. Et là, maintenant, les gens vont lui poser des questions. Mais pourquoi vous voulez vendre? Et c'est là, il y a problème. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Si on leur dit, mais pourquoi? Si on leur pose la question, pourquoi vous voulez vendre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut un entretien, mais... Entretien? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour entretenir lui-même. Non, personne n'habite dedans. Aïe, il n'y a pas des étudiants ivoiriens. En France, on ne peut pas les loger dedans. Il y a beaucoup de chambres, on peut les loger dedans. Donc, ils seront coincés dans tous les cas. Et voici pourquoi ils vont aller vendre ça en cachette. En cachette, ils vont aller vendre. Ils ne vont pas faire passer au conseil des ministres. Et même si ça passe au conseil des ministres, il faudrait que les députés, les députés, parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, pour dire, mais voilà, le président a décidé de vendre l'hôtel ivoirien qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Ivoirien, vous dites quoi? Et maintenant, les députés vont juger. Bon, de dire, mais ouais, l'hôtel ne sert à rien, il faut vendre l'hôtel. Ou les députés vont dire, nous avons tellement de frères, nos frères ivoiriens qui sont en Europe, qui n'ont même pas un coin où dormir. Des étudiants, des diplomates, des ambassadeurs, on peut les loger dedans. Pourquoi vendre? Ou bien Alassane Ouattara n'a pas d'argent pour entretenir. C'est ça le vrai point. Parce que tout à l'heure, le ministre Bruno Conné a dit qu'ils n'ont pas d'argent pour entretenir. Il faut entretenir. Il dit qu'il faut entretenir. Donc, Alassane Ouattara n'a pas d'argent pour entretenir l'hôtel. Tout crédit, il prend là. Tout crédit, il prend là. Il ne peut pas garder un peu à côté pour entretenir les biens de l'État qui sont aux États-Unis, un peu partout. Aux États-Unis, je suis sûr qu'il a tout vendu. Pour les États-Unis, là, je suis sûr qu'il a tout vendu. Parce qu'on a les biens. L'État de Côte d'Ivoire a des biens aux États-Unis. Il a tout vendu, c'est sûr. C'est sûr qu'il a tout vendu là-bas. Maintenant, chers frères, pour Paris, là, Ouattara va nous expliquer pourquoi il veut vendre. S'il a déjà vendu, il doit nous expliquer pourquoi il a vendu. Et il faudrait même qu'il aille récupérer. Parce que l'hôtel là-même, là, ils ont lutté avec la fille de Félix Houphouët-Boigny. Normalement, l'hôtel devait revenir à, soit à Bédier ou à la fille, c'est Jeannette, non? À Jeannette. Donc, si ils ont vendu, il faudrait qu'on explique à Jeannette pourquoi ils ont vendu l'hôtel de son père, ou on explique au président Bédier pourquoi ils ont vendu l'hôtel. Bon, après, on les a arrachés de toutes les façons. Dominique Ouattara,
qui s'occupait des biens de Félix Houphouët-Boigny et son mari Alassane Ouattara qui était dans l'ombre, ont vendu, ont récupéré ces biens-là. Même les biens qui étaient en Suisse, les comptes de Félix Houphouët-Boigny qui étaient en Suisse, tout cela a été, ils ont mis bras dessus. Et lorsque la fille de Félix Houphouët-Boigny a voulu parler, ils sont allés en justice. Puisque, vous savez, hein, la France est complice. Donc, tous ces complices, ça, ils ont fait jusqu'à elle n'a jamais gagné le procès. Ils ont pris les biens. Les biens de son papa. Ils ont tout pris. Oyou Evra, sois salué. Chers frères, avant d'arrêter ce direct, j'aimerais vous dire que je suis fier du gouvernement malien, puisque aujourd'hui, le oui est en train de gagner en puissance au Mali. Le oui gagne en puissance pour le référendum au Mali. Donc, chers frères, c'est une très très bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle. Oui. Je suis aussi fier du gouvernement du Burkina Faso qui soutient aujourd'hui le gouvernement malien. Et une autre bonne nouvelle. La MINUSMA au Mali va être poursuivie par la justice malienne. Adou Jean, sois salué depuis ta position. La MINUSMA, là, l'ONU au Mali, là, ils vont être poursuivis par la justice. Parce qu'ils ont menti sur l'armée malienne. Et cette affaire est arrivée en justice. Et c'est le gouvernement malien qui va juger ça. Donc, nous sommes fiers du Mali. Assimi Goïta, depuis ma position, je te salue. Chers frères, moi je vais vous laisser. Parce que ici, nous ne pouvons pas faire de débat. On se trouve tous, tout à l'heure, sur TikTok. Pour un débat. Ceux qui veulent défendre Alassane Ouattara parce qu'il a vendu l'hôtel de Côte d'Ivoire, on s'attrape sur TikTok tout à l'heure pour mener le débat à fond. Merci à vous, merci à tous mes frères qui sont venus me soutenir, merci à tous ceux qui ont partagé là et qui ont liké. Je vous dis merci vraiment également. Merci. Du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci à vous. Ceux qui ont regardé aussi sans partager, ceux qui sont restés aussi, ceux qui ont commenté aussi. Merci à vous, chers frères. On est ensemble.